Vous tenez si là. Merde. Résistance. Chagesse 64. Pas de replié, pas de supplié. Tenez si. C'est un peu de la marque pour contrôler. Si wok. Je dis à la jeune. Je dis à la jeune. Je dis à la jeune. Je dis à la après ça. Si wok lié. Là, là, la pointe. Si pas faut façon lever camper, même si la police a continué à faire quelques opérations, mais ça pas suffit pour quantité de violence qu'a fait sous fille, sous jeune garçon ou gang qui a continué bataille entre l'autre et a marché exposer les armes avec l'argent chaque jour bon Dieu mette et ça a baillé sauté dans la population haïtienne par rapport à exact violence qui a multiplié chaque jour bon Dieu mette. Bienvenue, bonjour, bonsoir tout le monde ou sous réseau information. Il va le faire moment pour me présenter un pile point qui pral développé dans la nouvelle là pour jeudi. La police a annoncé sur page officielle plusieurs opérations a fait pendant y a metté en accord de plusieurs chefs gang, même si on a annoncé gagner 4 dans l'équipe la fitoa qui en accord nous connaît pendant week-end ça tout équipe ça a essayé mettez en bas du fait yon char blindé la police possédé. Mais cependant, yon fait qu'on est gagné. Un 4 dans l'équipe base gangrif là, qui pourquoi il est là, en bas dans le commissariat Saint-Marc là. Et la justice avec des bras fermes a essayé de goumer ouais, dans qui moyen. Moun sa yon pral répondre question et puis porter plus explication sur ce qui est violence y a fait sous population. De l'autre côté, violence sous mesdames yo a continué. Plusieurs moun n'a pas quitté la caillou. A Kazak, violence bandio pas suspendre frappé. Et puis, nan Bel Air, c'est équipe Genef la cap frappé. Côté Kempes décidé pour le camper en face barbecue. Gola Perez en da communauté nous. Mesdames, messieurs, en pile point dans la nouvelle là. Pour qu'on déconnecte rete ensemble avec nous, ou pral attendre toute information. Nan bon gentil mamite. Et si vous pouvez faire ça, songez à abonner ensemble avec nous. N'a toujours qu'un peu informé sur nouvelle actualité politique dans le pays panouan. Gagné, yon mamba gang qui gagne la tête, les maquès, la police interpelle le non citoyen, non, c'est Gauthier Adler, alias John, la police interpelle si on détachement Udmo West 2, la police interpelle vendredi 10 mars pour présumer implication dans un enlèvement contre son assassinat, voilà, mais armé, et pour contre et puis en association avec gang Canarin, et puis 5 secondes, l'été rejoint la gang qui gagne la tête, les maquès, ainsi connu qui a opéré dans la fito à Camo, les d'Haïti, Gauthier Adler, deuxième chef gang ça était également impliqué dans un braquage sous riverain avec usage et localité Tirobu, Chavan, Canaran. Présentement, Gauthier Adler en garde à vue en attendant suite judiciaire nécessaire. On a tout été dans la question ça, puisque nous apprenons de la police nationale d'Haïti poser la patte sur trois membre groupe gang Lafito, mais Nexao, c'est agent Andy Udmo l'OS2 qui était détaché là, qui a arrêté Alfouki Nexao, sont certains des Duperval Sonel, des collines Moïse Akabili Alexis, jeudi qui était 9 mars 2023, pour présumer implication Nexao dans divers actes criminels qu'a fait dans zone canard Lafito Titanien, notamment n'a pas rappelé massacre ça qui était fait dans ce matin là, dans l'année 2022 passé, hein, dans la commune Kabar. Mais ma groupe gang Lafito a cap dirigé par Marques, j'en suis dit, ainsi connu, TC ISO 5 secondes après ça, la police a fait qu'on est quitté à placer monsieur comme chef dans zone ça, et qui est tout allié de Nexao qui fait partie du groupe gang, qui a pas problème dans zone citoyen à zone sous ce matin là, d'après éléments information qui dit bon côté, autorité et policiers. Prendre que Negaxam a posé la patte sous pasteur Adonis Joseph. Pasteur Adonis Joseph Deva Andy, l'église que lui-même, les responsables que l'a dirigé, sous la lue que Bandi Yela, il a posé la patte sur Pasteur Adonis Joseph. Nous allons venir avec détails concernant information ça. Et pour nous dire bien, ce n'est pas le premier acte kidnapping que Negaxam a fait sur des responsables l'église, surtout dans notre ville, Port-au-Prince. Donc, elle vient avec information ça. Côté là, hier matin, non, Andy Moun était capable d'assister comme un exam, lui-même, Yotap, Andy kidnappé Pasteur Adonis Joseph. Pasteur Adonis Joseph, responsable de l'église de Dieu, l'a lu. Et même, Andy kidnappé hier matin, Andy, parce que Andy devant rentrer l'église, non.
et l'église a été trouvée entre direction immigration et parquet Port-au-Prince qui n'est pas trop loin. Ça veut dire entre des espaces des institutions que l'église a lui-même trouvé sur l'information qui arrive et joindre différents médias. Mais pasteur a lui-même qui était déjà en dit que son machine service à de l'État selon l'information yo et bon monde qui t'a vive scène za kidnapping ça ba dio qui kidnappé pasteur Adonis Joseph et n'a rappelé que Jean Dédilan c'est pas premier zak kidnapping que nèg a fait sous de un dit responsable l'église ou bien des fidèles différentes assemblées na Port-au-Prince. On va aller bien rapide dans la question information arrestation la police fait si gen moun qui a victime zak kidnapping de l'autre côté gen autorité policière qui a annoncé arrestation missionné Pradel innocent cousin chef gang vite l'homme innocent policier missionné Pradel innocent cousin chef gang vite l'homme innocent. Et bien la police a appréhendé le vendredi dimanche là dans Léogane pour affiliation à gang agent 2 qui était affecté dans quoi intervention maintien l'ordre Simo qui était en situation abandon depuis et plusieurs mois la direction centrale police judiciaire tap cherchil ak mettait sous ça inspection générale police nationale tap cherchil tout missionné Pradel innocent tadoui transféré dans DCPJ pour yo capable tendre opération tornade 1 poursuivre dans l'idée pour capable continuer à affaiblir puis démanteler bandes criminelles vite l'homme yo a dirigé selon communiqué PNH a metté dehors. Et n'a prendre la gagne trois membres pour la fito que la police a arrêté là gon détachement Udmo l'OS qui est procédé à l'arrestation là. Trois individus, n'a parlé de Duperval, Sonel, Descolines, Moïse, avec Billy Alexis, jeudi quitté 9 mars 2023, pour présumer implication dans un ensemble de Zach criminels qui a fait dans la zone Canaran, Lafito, Titanien, notamment massacre qui était fait dans ce smat là, comme une cabaret, que Nexa Gain doit être campé la donne, membre gang Lafito, qui a dirigé par Maquès, ainsi connu, placé par 5 isosexuels, seconde qui t'a placé monsieur dans zone ça mais trois individus ça yo pour qu'on y a là yo placé en garde à vue d'après ça qui dit bon côté force audio pour suite judiciaire yo encore j'en dis en là monsieur Relé c'est trois nexa c'est exactement un des Duperval Sonel des Colin Moïse à Kabili Alexis que la police a arrêté et jeudi 9 mars non pour présumer implication dans divers actes criminels la jeune des d'Aloya qui ont fait dans zone Canaran la Fito Titanien notamment massacre dans sous qui était fait dans année 2022 passé dans commune Cabaret nexa yo surtout Maquès dans lui-même c'est à isosex seconde après ça la police fait qu'on est quitté à placer monsieur comme chef dans zone si là nous pral gbon venir avec plus détails sous ça avec vidéo que n'a gbon fait non on dit notre arcayet citoyen avec caution de permanent non Pascal Fleurisse sur question ça et n'a venir toi avec détails concernant attaque nèg exam fait sous prison civile mesdames yo nan Titanien côté la police a été riposté mais pas de trop gros dégâts que ça dit pas de victime et nan ça la police bien policier qui était sous pension été riposté jusqu'à ce que tu viennes jeune renfort pour te combattre situation ça d'après ça qui dit bon côté force l'audio n'a toujours été dans question arrestation gen la police qui interpellé un membre gang qui gen nan tête li Maquès Gauthier Adler alias John ben détachement Udbo S2 interpellé le vendredi dimanche pour présumer implication dans un enlèvement contre rançon, assassinat, vol à main armée, pour contre et puis il fait le tour en association avec gang Canaran. Et puis 5 secondes, il était rejoint gang qui gagne en tête les Maquès, ainsi connu, qui a opéré la fuite à Camoulin d'Haïti. Gauthier Adler, deuxième chef gang, ça également impliqué dans un braquage sous un citoyen. Ak usage localité Tirobu Chavan Canaran présentement Gauthier Adler nan garde avion attend de suite judiciaire nécessaire yo. Voilà jeune désilé là individu en métier attaqué samedi exactement 11 mars 2023 prison civile pour femme yo nan cabaret agent qui était résisté pendant plusieurs temps jusqu'à ce qu'il arrive jeune renfort pour kakouri des bandi yo mais police qui tape andi partager information ça dans l'anonymat fait qu'on est qui était résisté pendant 3 temps et
on dit que yo pas gagné, on dit victime dans camp yo jusqu'à ce que yo te obligé courir, on dit courir des bandits yo et puis renforcer vin dans poté ba yo et puis situation li même te vin tourner dans normalité là, yo fait qu'on est pas gagné victime dans camp yo et pas gagné on a dit mesdames qui sorti victime en prison, c'est que tout bagaille sous contrôle, mais yo croit que si que la police a pas renforcé présence li assez dans espace à prison civile mesdames yo là, mais si à n'importe moment situation capable très compliqué, parce que n'a pas rappelé nèg exam, c'est pas première fois fait attaque sous prison civile mesdames yo, n'a pas songé dans dernière attaque qui a été fait sous prison civile mesdames yo, nous t'ai attaqué petit poste titanien et était bon policier qui tendait petit poste titanien ça qui était victime. Il et n'a pas songé tout est plusieurs dans mesdames yo qui t'est sauvé dans une attaque que nèg a été fait sous prison civile mesdames yo, n'a pas rappelé première fois en nèg exam attaque sur prison civile mesdames yo nan arcaillé non pral venir toi avec question information qui gè pour nan bataille qui déclenché entre nèg andi Genève en forme et aller avec bandi andi Soubelle et Babelle n'a parlé de Kempes et que RNDDH lui-même li présenté yon rapport, alors un rapport bilan partiel par rapport avec témoignage divers famille victimes sa yo côté selon RNDDH li parlé de 70 moun t'as déjà perdu la vie en bas coup de balle nek armé Cap Goumen dans zone Bélair réseau national Cap défend droit moun yo consigne à pas andi mettez chercher information documenter davantage sur événement andi bata qui déclenché entre différents groupes armés en bas depuis fin mois février 2023 côté que dans quartier Bélair nazon Badel Massolino mais côté à partir de témoignage proche victime yo dans quatre enquête terrain que RNDDH lui même rivé il fait qu'on ait que 70 monde qui a perdu la vie dans le cadre d'un conflit armé ça qui existait entre différents groupes armés Jean Zodilan groupe Genève informé et allé ensemble avec équipe mexicaine Persio bien selon rapport ça dit exécutif RNDDH là puis espérance li et bail dans cadre interview accordé avec différents médias ben persistance question que journaliste posé avec Pierre Espérance, les faits qu'on est groupe criminel qui les crache différents, c'est ancien directeur général, ministère intérieur, collectivité territoriale, Fidel Monché, qui était metté campé en dit groupe criminel ça, pour tel planifier attaque armée contre citoyens qui vivent dans le quartier. Avec l'autre quartier qui environne lieu selon ça qui dit beaucoup de PSP Rasa, il fait qu'on est que, mais n'est qu'à diriger groupe Crash et Diffé, c'est Kempes, sa nom, monsieur, qui c'est, allié chef gang ISO 5 secondes dans le village de Dieu, et puis c'est allié tout il a appelé, d'après ça qui dit beaucoup de Pierre Espérance, qui fait qu'on est que c'était Andy Fidel Monché qui t'a metté le campé pour te cas aider le bataille contre un ensemble de groupes résistance, un ensemble de groupes monde qui t'a fait de mouvement protestation contre ancien président Jovenel Moïse. D'après ça qui dit bon côté Pierre Espérance, mais face avec situation ça Pierre Espérance défenseur droit mouna m'a encore demandé avec autorité concernée dirigeant dans l'état yo pour prendre bonne disposition pour garder comment que yo ka permettre que la paix établie dans centre ville surtout dans zone Bélair Badel Massolino pour empêcher que mes populations continuent victimes en babal nek armé dans différentes localités et si là yo n'a pas continué avec information nous connaît hier 12 mars, ça fait 2 années depuis plusieurs agents SWAT qui ont perdu la vie dans le cadre d'opération Village de Dieu pour être capable de marquer date ça. Une cérémonie religieuse qui était organisée pour honorer mémoire 5 policiers SWAT qui étaient assassinés dans l'exercice en fonction 12 mars 2021 dans le quartier Village de Dieu. Yomès a été chanté à Yedi Machin dans le quartier général SWAT là qui trouvait la Cléacine, directeur général PNH. Nacha FNCLB ak membre vos commandements et assisté à la cérémonie religieuse ça qui était organisée pour capable commémorer mémoire policier ça qui entre désormais dans panthéon côté nom yo reposer et tout côté nom al nom tout monde qui sacrifié yo al reposer qui a distingué yo à travers bravoure et puis sans engagement yo malgré
pleurs et puis sentiment désolation. Date à 12 mars l'a évoqué dans conscience collective, li de yon source d'inspiration pour méditer, renforcer esprit, corps et puis travail sans relâche pour mettre yon terme définitif ak barbarie, tout un groupe armé qui voulait à tout prix dicter loi. Yo si ça n'capable non cadre communiqué coordination presse ak relation publique police nationale d'Haïti a metté dehors dans cadre commémoration 12 mars 2023. Pendant que n'a rappelé non 5 policiers sa yo puisque c'était agent SWAT ak un agent Boyd, c'est George Renoir Vivender, Desilus Whistler, Eugène Stanley, Ariel Poulard ak Luc Dopierre et tout le monde connaît ce nom animal. C'était 5 monsieur sa yo qui était basé la vie dans cadre d'opération ça qui était mené en de village de Dieu. N'a rappelé c'était la date qui était 12 mars 2021 et opération ça nous connaît était bat tout qualificatif qu'il était capable de gagner, puisque l'été pour aller la vie, 5 policiers, ça y est encore, Georges Renoir Vivender, Desilus Whistler, Eugène Stanley, Ariel Poulard, Luc Dopierre, n'a pas rappelé tout monsieur qui était ça, c'est métier différent sur un blindé, et ont été saisi un blindé, et était gommé mitraillette, nous songez qu'une musquine dans avec ça jusqu'à présent, et même famille, 5 policiers, ça y est, pas de jambes, t'es joint cadavre, alors corps, t'y reste corps policiers, ça y est, frère petit, pour être enterré. Et une songée qui valait en pile qui était faite. À l'époque, nous songez, t'es gagné, m'crois, Joseph Jouf qui était PM, nous songez, qui était à le visiter. Et monsieur Andy Fred Damio, dans le cas lieu, agent Soitio, tout ça, et nous connaît qui valait, qui t'es gagné, et t'es gon ensemble de policiers qui t'es mobilisé, qui t'es descendu dans des déos à Social Mass, nous songez, qui t'es décidé encore les poutés à mener opération. C'était un véritable. C'est une journée noire pour la police, hein? Et c'est une journée d'air tout pour le peuple haïtien. Les Yotap, on dit après une nouvelle ça, puisque les Oprins soit c'est codé l'élite ça, pigo unité spécialisée qui gagne dans le pays, même à travers le monde. Le dit soit c'est une unité à travers le monde. Et les Oprins, dans qui façon que, dit nek, exam, en de village de Dieu, t'es humilié, cadavre, sec, va en policier, ça y est, et en pleine réaction, t'as sorti, beaucoup de différents, on dit l'unité soit à travers le monde, pour t'es condamné. D'année, ça arrivé. De l'année après, la police continue à victime et même plus mal que possible. Pendant que nous avons appelé récemment là dans Liancourt, dans la date qui était 25 à 26 janvier passé, ça vient été la vie 6 policiers. Nous songeons ça. Bien avant ça même, nous songeons là tout dans Métivier. Nous examinons tous les 3 policiers et puis ils disparaissent. Donc, dans Carrefour avant même ça toujours, tu as gagné 2 policiers qui mourent par rapport avec l'attaque. Nous examinons tes faits sur qui donc, on dit de l'année après, situation elle presque pas changée, elle vient plus compliquée, côté, nek armé, on continue à prendre un policier pour Sibio, non soit opération ou bien intervention ou bien non façon que eux-mêmes y a opéré dans la rien. Nous prenons avec un reportage, ça collaborateur nous, Jean-Philippe Massien, réalisé toujours sous question insécurité. Des refuges des femmes d'Haïti qui mettaient sous pied une centre qui recevait femmes qui quittaient Kayo à cause gang. Certains là ont dépassé limite, ils étaient bien, qui c'est 3 mois. C'est cas pour Adeline Bandifel qui quittait Kali Kanaan qui besoin de support. Reportage Jean-Philippe Massia. Adeline Lemorin, c'est maman 8 petites, bandit pour ses dos dans Kanaan depuis plus passé un mois. Après, ils ont fini d'attaquer Kayo dans la zone ça. Depuis date là, la vive dans centre, organisation refuge des femmes mettait sous pied. Tout ça sous moi, c'est monde qui bon moi, je dis à tout monde, yo va gagner rad, yo va gagner rien. Bon Dieu pour moi. Mon sauver avec yo. Bon Dieu, yo pas mourir, yo va gagner rien. Oui, c'est des calmes que ça. Je n'ai pas de conscience à cause des gens bagaille yo vini. À quand on donne ma vie nous vivre comme ça. Après notre caïman, monde, violer monde. Et une des petites filles, bon Dieu pour moi, me gâte échapper pour moi ensemble. Adeline obligée quitter centre là qui pas qu'à continuer kebel pour tout temps ça ti moun liyo aglonangé victime n'a demandé si pour société problème moi gagné moi était dans centre d'hébergement parce que l'est arrivé faut nous baili moi obligé faire demande à quel que soit monde le monde c'est capteur d'eux qui ca supporter moi père de famille qui ca supporter moi pas comment y'a ca faire pour ca supporter moi parce que bagaille yo compliqué non même parce que moi pas gagne monde ca aider moi seul bon Dieu. Effectivement, organisation refuge des femmes d'Haïti a supporté le depuis date là. Sant la pa kakembil par rapport à quantité timoun liyo qui vignon point en plus pour Sant là d'après
président Ref Haïti a Novia Augustin. Mais avec 8 moun c'est vraiment difficile pour nous parce que là nous avons capacité pour nous avoir 25 moun, un seul moun vini 9 moun, li vinn limiter chance au paquet l'autre moun pour rentrer dans centre là. Jusqu'à présent li avec nous, moi li gen presque 30 à 45 jours dans centre là. Nous pas comme si nous vraiment dépassé par les événements, nous t'aimer vraiment si la quitter centre là pour joindre côté qui garantit bien sûr que li aller avec timoun. Centre ça qui pas gen gros capacité recevoir femmes victimes violence dans divers quartiers dans Port-au-Prince pendant seulement 3 mois. Au fur et à mesure, nous avons renforcé ce plan parce que nous avons trop de demandes que nous n'avons pas supporter. Nous avons essayé de regarder pour nous comment nous sommes capables de faire ce plan plus large pour nous recevoir mieux. Dans le centre d'hébergement, nous hébergeons 2, 3 à 90 jours. Nous allons manger 2 fois par jour. Mais jusqu'à présent, c'est service que nous avons. Et mais au fur et à mesure, nous avons d'autres services comme prise en charge. Mais les gens qui sont victimes de violence, nous faisons référencement à gestion et fausse ref pour faire prise en charge. Ref Haïti obligé qu'il y ait adresse centre là secret pour éviter cet incident. L'organisation a déjà un mauvais souvenir. Quelques monde qui passait dans ce centre là. Il y a recevoir victime seulement sous référence. Déjà, ce centre là tout nouveau. Nous avons gagné une fille qui était venue dans ce centre là qui t'a dit que yo victime nous héberger après 2-3 semaines. Là, yo bralé, yo levé tout drap, tout bagage qui était dans ce centre là y aller avec eux. Ça veut dire que nous avons des mesures de que nous prenons pour nous éviter ce genre de situation. Ça va reproduire. Nous ne pas mettre ce centre là public pour n'importe qui va venir parce que nous. Nous prenons pile mesure que tout le monde qui est vraiment dans le besoin, qui gagne excessivement, dans le niveau que nous sommes capables, n'a pas essayé d'accompagner. Est-ce que nous recevons Moun Belé, Solino, qui a fait face à toute qualité, difficulté dans le dernier jour Sayo? Nous travaillons pile avec Moun, avec l'équipe Son Sayo. Nous essayons au maximum de recevoir Moun que nous sommes capables, dans le niveau que nous sommes capables. Même j'aime dire nous, demandons en pile, ok, Moun yo en pile, parce que les bandits entrent dans la zone, c'est pas 50, pas 60 Moun yo pour quitter Kayo, et sans refuge des femmes dans lui-même, il n'y a pas capable plus que 25 Moun. J'aime dire déjà, nous sommes en ouais, capacité. Pour nous accueillir, nous sommes vraiment limités. Parce que nous ne pouvons pas prendre nous mettre au pile sous pile. Nous avons des gens pour nous mettre, nous avons des gens pour nous servir avec. Adeline Lemorin, c'est une parmi pile l'autre monde qui chaque jour a couru quitter Kayo à cause gang. Selon OIM, il y a plus de 3000 personnes qui ont abandonné Kayo entre Belé, Solino, Delma 24 dans le dernier jour. Ça ne va même parler de l'autre qui quitte Kayo dans Fojac, Meyot, La Boule, Outre et La Trier. Situation ça la cause, personne, presque par contre, qui koto ka habite dans Port-au-Prince. Ti couloir qui meye yo, Prichamka est monté 17 routes et puis en dou la 20, en bas, j'ai autorité yo, qui m'a dit de préparer une pito pour nous défendre tête nous. Ak sak nan men nou, le gang yo debaki la kay nou. Jean-Philippe Masséan, Radio Mega. Merci en pile Jean-Philippe Masséan, qui est même pour reportage. Si là, côté situation ça est très compliqué pour un pile monde, un pile victime dans différentes localités, je dis, hein, côté Negaxam, yo même, yo pas suspendre Taïbanda, pas suspendre théoriser population. Bien, j'en ai déjà dit le titre journal là, déjà j'en ai partagé là avec nous tout, dans la première partie journal là, tout à côté réseau national Cap Défendre Droit Mounio, selon responsable qui s'est Pierre Espérance, dans l'interview que l'on a avec Média en ligne Haïti Info Pro, que lui parlait concernant bataille ça qui déclenche entre différents groupes armés dans la zone Babélère, Robélé, Babélère, Nazon, Solino, toute zone Saonette qui apprenait de moments très difficiles à cause groupe gang Cap Goumen, Genève en famille et allié avec groupe gang que Kempes a dirigé. Mais selon Pierre Espérance, il fait qu'on est bataille ça qui est déclenché depuis dans fin mois février 2023. Et il a parlé de 27 février 2023. Il fait qu'on est bataille ça déjà la cause pour PPT qui est 70 mon qui est perdu la vie. Selon ça qui dit beaucoup de directeurs exécutifs RNDH à Pierre Espérance dans le cadre d'interview que le bat avec journal Haïti et Haïti Info Pro, mais Pierre Espérance qui est fait qu'on est mais bataille ça, un certain de Kempes ça non qui est même c'est Ali chef gang Izoa qui l'a appelé, mais qui sans ça contrôler un bon parti dans Belé là Kabuka de Kobal avec monsieur Genève en famille et Ali OK et barbecue a dirigé. Mais dans ce ça Pierre Espérance a demandé avec autorité concernée surtout la police pour y prendre bonne disposition pour permettre que la paix qu'établi dans différentes localité Sayo, Jean-Zodilan, Belair, Solino, Delma 18, Delma 24, Oueba, Belair, Zone Sao, Saint-Martin, parce que je dis, la situation peut être très compliquée. Pendant le rappeler, ce n'est pas la première fois bataille.
a déclenché dans le groupe armé et qui toujours la cause en pile monde perdit la vie. D'après ça qui dit bon côté défenseur droit humain jeune dian qui parlait pour pipiti ou 70 monde qui est perdu la vie dans quatre batailles ça depuis l'a déclenché dans fin mois février 2023. Nous poursuivons avec information à profit de reportage ça collaborateur nous Jean-Philippe Massien réalisé avec un échantillon par rapport avec un monde qui a pu quitter quartier qui gagne guerre entre bande armée nous a pas contigé organisation femme engagée qui portait solidarité le bail femme victime belle souligne et la trier côté les distribuer kit alimentaire kit hygiénique et puis de l'eau bail 1000 femmes occasion pour responsable organisation Yveline Antenor lancé un appel bay nèg examen pour suspendre faire violence sous femme nous pour permettre au côté Yveline Antenor qui était dans micro Jean-Philippe Massia. Nous t'ai choisi pour commémorer 8 mars gens nous compte faire chaque année honorer des femmes qui étaient qui compte travailler dans société haïtienne mais nous t'ai descendre plutôt vers monde qui victime yo nous aujourd'hui on a regardé nous monde Mayala monde Solino monde et Belair tout côté nous connaît qui était victime dernièrement yo mesdames ça là yo venu nous venons partager ça nous gagner avec vous pour nous dire que nous croyons que le pays a cap changé pour nous dire prend force prend courage et faut engager Haïti pas jamais quitter en bas parce que nous croyons dans monde nous ces femmes nous croyons dans femmes et nous garder leur monde aux victimes nous même femmes engagées c'est nous qui victimes près de 1000 femmes parce que vraiment nous pas gain assez moyens pour dire nous capable couvrir tout côté mais nous dit l'autre monde qui victime nous pense avec yo n'a privé sur yo mais nous commencer là et nous gain 1000 femmes n'a pas recevoir kit alimentaire hygiénique avec yo gain de l'eau tout que nous partager avec yo oui femmes engagées et nous pas bouquer dit ministre Majorie Michel merci pour toute coûte mail toujours ba nous depuis nous fin dans idée li embrasser monsieur yo tant pris s'il vous plaît et convention Déclaration universelle droit de l'homme dit que faut que nous tous devons vivre dans la société pour nous faire un pays marcher. Nous connaissons des fois le pays a des troubles politiques, il a des taxes sur mesdames. Nous demandons, messieurs, suspend violer droit mesdames yo parce que n'a galé dans quartier populaire là yo et nous attendons nous même à engager que nous pral procher des cliniques mobiles pour mesdames yo pral parce yo violer yo et là violer yo collectif yo pral ni devant ni derrière nous dit mesdames yo messieurs yo suspend faire violence sur mesdames yo parce que pour pays avancer vrai côté nous veut pays aller c'est pour nous tout marcher main en main côte à côte pour nous avancer avec yo. Gagnant ces députés des 800 des honnêtes qui pas caché inquiétude par rapport à qu'a fait de mener sécurité à Cap Taïba dans la société haïtienne en dernier temps si là yo en ces parlementaires critiquer notre ministère justice à la sécurité publique là qui mandé peuple contre carré action gang yo des 800 des honnêtes rappelé gouvernement que pas qu'a fait élection sans problème insécurité à lui-même n'est pas résoudre pour qui est élection ça yo pral fait si tout monde fin mourir ou bien quitter pays c'est question ainsi un député des 800 des honnêtes lui souhaitait tout secteur mettez tête ensemble pour jeunes à cause sous insécurité à cap ronger peuple haïtien entre côté des USA des honnêtes dans micro Jean-Philippe Marseillan. Face à montée insécurité en pays en dernier temps ça nous remarquer que les gangs yo yo joué plus yo tué plus yo kidnappé plus et ça montre que toute bagaille hors contrôle et l'État bon côté par la fait des aveux notamment notre ministère de la justice qui dit ces populations qui pour prendre responsabilité qui pour faire légitime défense les montrer que ça sont aveux que le gouvernement fait que l'est impuissant et l'État dit impuissant face à des entités internes qui c'est des gangs parce que là c'est au niveau de peur ou de d'irresponsabilité et bon côté l'État. Et moi-même, dans le dernier moment de remonter en sécurité, ça, et c'est pour ça que je dis, faut que Haïti fait un travail. Là, je dis, faut que Haïti fait un travail, je dis, faut que l'État prenne une responsabilité. Et pendant la sécurité, pour mettre en place des éléments et dans institutions qui pas existent yo j'en veux faire de cassation et qu'on n'y a pas les DCP puisque vous voulez faire élection non pas qu'à faire élection sans nous pas notre tranquillité non pas qu'à faire élection pour des monde
Oui, ça veut dire pour nous aller vers l'élection, il faut que nous en vie. Une population a mouru chaque jour, une population a pâti chaque jour. Est-ce que nous pouvons faire élection pour territoire? À qui est-ce qu'on a fait élection? Pour qui est-ce qu'on a fait élection? C'est des questions que nous devons poser. Moi-même, je pense qu'avant nous aller vers les élections, il faut nous battre pour nous sauvegarder la vie, peuple haïtien. Dans ce sens, moi-même, je pense que je dis, tout problème, tout haïtien gagné, ni ça dans la presse, ni ça dans le gouvernement, ni ça dans la société civile, ni ça dans l'université, tout ça en Haïti, tout ça à l'étranger, il y a seulement un problème de sécurité.